tous les yeux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre est ferme, ses mains l'ont façonnée. Cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Tu es Pierre,
Psaume 2. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Pourquoi ces nations en tumulte se vainquent grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur est au nom des nations. Puis dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tes morts et je t'élève les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous bénignez d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Psaume 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Ça une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours.
que l'heure est plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le suc des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer en profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Réserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. S'entraîne devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. Il t'avait quitté à pied les captifs, Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Psaume 98. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent, il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples, qu'il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est
le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous devant son majesté. Lui, Dieu est saint. Moïse a monté parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne des nuées, il parlait avec eux, et avait ce témoignage de la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur est le Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur, notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur, notre Dieu. Gloire au Père, et au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles, bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. De Saint-Alred de Rivaux au XIIe siècle, Pierre et Paul, colonnes de la terre. Colonne de la terre, tous les apôtres le sont, mais en premier lieu les deux dont nous célébrons la fête. Ils sont les deux colonnes qui portent l'Église par leur enseignement, leur prière et l'exemple de leur constance. Ces colonnes, c'est le Seigneur lui-même qui les a fondées. D'abord, ils étaient faibles et ne pouvaient se porter ni eux ni les autres. Et ici apparaît le grand dessein du Seigneur. S'ils avaient été toujours forts, on aurait pu penser que leur force venait d'eux. Aussi, le Seigneur, avant de les affermir, a voulu montrer de quoi ils étaient capables, afin que tous sachent que leur force vient de Dieu. C'est le Seigneur qui a fondé ces colonnes de la terre, c'est-à-dire de la Sainte Église. C'est pourquoi nous devons louer de tout cœur nos saints pères qui ont supporté tant de peines pour le Seigneur, et qui ont persévéré avec tant de force. Ce n'est rien de persévérer dans la joie, dans la prospérité et la patience. Mais voilà qui est grand, d'être lapidé, flagellé, frappé pour le Christ, et en tout cela persévérer avec le Christ. Il est grand avec Paul d'être maudit et de bénir, d'être comme le rebut du monde et d'en tirer gloire. Et que dire de Pierre ? Même s'il n'avait rien supporté pour le Christ, il suffirait pour le fêter qu'aujourd'hui il ait été crucifié pour lui. La croix fut sa route. Ne l'emportera pas sur elle.
Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ?» Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Soit le Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ce d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur. Souvenir de son alliance sainte. Seigneur, je viens à notre Père Abraham, de nous donner ta franchise de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Sans Dieu, sans force, sans
pitié de nous. Très saint, tu as établi saint Pierre et saint Paul comme colonne de ton Église. Au commandement de Jésus, nous osons dire. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous.